Jonathan Pélissier, demi-mêlée. Péloche, peut-être entêté, ouvert, entêté. La franchise. De se régénérer peut-être. Ballon. Écouter toujours la même musique j'ai un petit rituel dans ma tête, je me dis plusieurs phrases à chaque fois avant d'entrer. La musique que j'écoute, c'est Tamakun de Rodrigo et Gabriela et Rock'n'Roll Train de AC/DC. On était au Stade des Alpes, donc dans une ambiance très spéciale. C'était comme un chaudron un peu et du coup on recevait donc Toulon au stade des Alpes et on était mené de beaucoup à la mi-temps et on a su revenir jusqu'à la fin. C'était notre dernier match à domicile, mon dernier match aussi à Grenoble, donc c'était bien de finir sur un match comme ça, sur une île. Oui, je me suis posé la question de rester à Grenoble. C'est vrai que le fait de pouvoir évoluer dans une équipe à plus fort potentiel était forcément très intéressant. Mais oui, il y a quand même eu cette réflexion parce que voilà, c'était un club dans lequel je me sentais très bien et très épanoui, ma famille aussi. Donc oui, forcément, il y a eu une réflexion. Douloureux non, plus c'est plus facile forcément de partir avec un collègue. Douloureux non, parce que c'est quand même tout joueur qui part d'un club dans lequel il s'est bien senti. Il y a toujours un petit pincement au cœur, mais voilà, on garde contact avec les amis et ça passe vite. Très bien, tout à fait normalement, on a bien été intégrés, on a fait un très bon stage à Tignes qui a permis de pouvoir rencontrer tout le monde, donc non, très bien accueilli. Ouais, on m'a lancé un défi, forcément étant passé par Brive, je connais encore Patrick Sébastien, donc on m'a lancé le défi de chanter une chanson de Patrick Sébastien, dont je suis fan au passage. Voilà, j'ai relevé le défi et donc ça s'est bien passé. Est-ce que tu t'es fait chambrer ? Oui, ouais, je suis pas un chanteur, hein, donc oui, forcément je me suis fait chambrer, mais ça va, c'était sympa. Mais forcément que du positif, ça a été une très belle expérience que de pouvoir intégrer le groupe France pour cette tournée d'automne, mais voilà, il faut pas se reposer sur ses acquis. La saison est très longue et il y a des périodes dans l'année où on est un peu sur le haut, un peu sur le bas, donc voilà, il faut redoubler d'efforts à chaque fois pour essayer de pouvoir avoir l'honneur de revenir dans ce groupe France, mais voilà, il faut rien lâcher. Alors oui, en tant qu'homme, la paternité change forcément. Ça m'a calmé un peu. Je passe beaucoup plus de temps avec mon fils et ma femme forcément. Mais après, en tant que joueur, je ne sais pas si ça m'a véritablement changé, je pense pas, parce que c'est un autre aspect de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, personnellement, ça change un petit peu. On aime passer un peu plus de temps avec sa famille. Et je pense que le cocon familial a une importance dans la stabilité d'un joueur. C'est ce que je pense en tout cas. Dans mon cas, c'est exactement ça. Ma famille m'apporte une stabilité que j'apprécie. Et après, voilà, c'est que du bonheur que d'être père. Donc j'en profite. Jonathan, on a eu l'occasion de participer ensemble à ta première sélection. J'aurais aimé que tu fasses ça avec moi, mais bon, apparemment, tu n'avais pas envie, donc pourrais-tu m'expliquer pourquoi ? Il ment, Fufu. Il sait très bien qu'on a terminé la soirée ensemble. Donc, si on l'a fêté. Si on l'a fêté et dignement, même. S'il s'en souvient pas, j'ai ma chemise qui était complètement arrachée comme la sienne. Donc voilà, il s'en souvient, normalement.